Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur le potager, sur la fin de saison au potager. On peut voir la première serre, je suis en train de tout enlever, tout préparer pour l'hiver, rassembler les pots pour la prochaine saison de culture. Voilà, tout le bordel, je suis en train de tout nettoyer, les œillets, et œillets chabot et œillets de poète qu'on va repiquer bientôt. Voilà, les courgettes. Alors, ici, c'est la serre où il y avait les tomates. Hein. J'ai déjà retiré deux rangs. Il me reste le rang du fond à retirer. À remettre le motoculteur dans le chalet. Hein. Tout le nettoyer à fond, lui faire la vidange et le mettre dans le chalet. Là, il y a les poirées. Avec un plateau de mâche. Et là où c'est libre, on mettra de la mâche. J'essaierai de faire une vidéo. De semer de la mâche. Voilà. Bon, les tomates, elles vont virer. Hein. Là, il y a les derniers concombres que j'ai repiqués. On commence à voir un peu des petits concombres. Hein. Et donc ça grimpe hein, le long de la ficelle, le deuxième. Piment ici, je vais les laisser. Hein. Et il y aura de la mâche aussi ou de la scarole, je sais pas encore, mais plutôt de la mâche. Alors les carottes, super belles. Variété Esquimau, et là celle-ci, la première route, c'est de la multicolore. Alors on peut voir, hein, je les ai démariées. Et là, ils y sont pas encore. En même temps, je retire l'herbe et quand je démarie les, ouais, j'éclaircis, moi je dis démarrer les carottes, je les donne soit au lapin, soit au cochon d'Inde à la maison. Là, les poireaux, nos sirops de poireaux, sont vraiment beaux. Hein. On a des poireaux qui sont, on peut voir, qui sont vraiment, vraiment beaux. Hop, ouais, on peut voir. Hein. Voilà. Et ils n'ont aucun vert pour le moment. On doit être le 19 septembre, 18 ou 19 septembre. Et je vais vérifier. On est le 19 septembre. Et aucun vert dans les poireaux, pourvu que ça dure. Alors là, on a des scaroles, des betteraves rouges. C'est la première année que j'en faisais et c'est super bon. Et facile de culture, donc l'année prochaine j'en mettrai une route. Là on peut voir, j'avais pas mis beaucoup, j'avais mis à peu près 1,20 m de betteraves rouges. Là il y a de la scarole, encore du plan, de la frisée, de la panne sucre. Je l'enlève pour donner aux poules et aux canards. Il y a une route de scarole. Là ici, la bâche des tomates, je l'enlève au fur et à mesure que je mets le fumier, les feuilles, les tontes. Là. Après, j'attends de retirer les deux derniers choux pour la retirer totalement, la nettoyer à fond. Et puis, ben, lâcher les canards. Voilà, la deuxième série de courgettes. J'appelle ça les courgettes du 14 juillet parce que souvent, c'est semé le 14 juillet. J'ai déjà fait une belle récolte. Là, il y en a encore quelques-unes à cueillir. Voilà, là un potiron qui a poussé tout seul ici. Même une araignée. Il y a des potirons qui poussent tout seul, qui grimpent hein, jusque chez voisin. Mais bon, chez voisin, c'est la jungle, donc ils vont rien dire. Là, c'est les anciennes courgettes. Je laisse l'herbe hein, pour les volailles quand ils iront dans le jardin. Alors les poivrons. Ouf. Super beau les poivrons, super beau et super nombreux. On peut voir hein. Voilà, ici, il y en a même qui se cassent la gueule. Aubergine blanche, bon, on n'en a pas mangé, j'en ai donné. J'en remettrai pas parce que bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas, y a rien d'extraordinaire.
Les aubergines classiques, j'en remettrai pas non plus parce qu'on n'en mange pas. Et ici, des frisés avec un peu de scarole au fond. Donc, une fois les dernières récoltes faites, je bougerai la clôture. Les volailles vont se charger de nettoyer le terrain. Et j'aurai qu'à enfouir le fumier et puis la matière organique, tout ça. Comme l'année dernière, comme tous les ans. Voilà. Donc bon, bah, en ce moment, c'est fin de saison pour les légumes d'été. On commence tout juste à récolter un peu de légumes d'automne. Donc ça va aller tout doucement en diminuant les productions. Et de ce fait, les vidéos sur le jardin aussi. Mais j'ai quelques idées pour faire des vidéos cet hiver, hein. Comme le suivi d'élevage du lapin, vous voyez, corps du mildiou, suivi d'élevage de lapin, de chapon. Donc ça peut être des idées de vidéos. Ouais. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur certainement l'élevage. Allez, salut tout le monde.